Привет. Привет, как дела? Нормально, а у тебя? Фатиге. Устала. 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 Ты устала. Устала и хорошо. А, дела хорошо, но ты устала. Ясно. Так, я открываю урок. Que je partage. Alors, tu vois. Ok. J'ai peut-être quelques questions pour toi, juste deux minutes, s'il te plaît. Oui, là. Ok. Alors, je me suis penchée pour bien enregistrer les manières de dire bonjour, mais il y en a beaucoup. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et il y a entre celles que tu m'as demandé, Strasvoitier. Ensuite, oui, Dobrý deň, здравствуйте. Voilà, donc en gros, je voulais savoir laquelle c'est qu'il faut utiliser, dans quelles circonstances. Bah, écoute, justement, c'est здравствуйте, tu peux l'utiliser tout le temps. Bah, c'est plutôt officiellement et même avec les personnes que tu connais au lieu de привет. Mais dobrý deň, c'est vraiment quand tu es dans la journée. Mais tu sais, voilà, on ne va pas dire bonne nuit, bonsoir, c'est parce qu'on va voir ça après, ces expressions-là. Pour dire bonjour, comme ça, bah, tu dis здравствуйте, добрый день, parce que c'est dans la journée habituellement quand tu vois les personnes, et même en situation officielle ou pas officielle. Si tu arrives à une petite soirée, là, ça, c'est, tu vas dire « Dobrý večer », mais le neutre, le qui passe partout, officiel, si on peut dire « Здравствуйте ». Voilà. Ah, donc, entouré. Mais les deux, voilà, tu peux les utiliser, c'est les plus souvent utilisés, mais pour l'histoire de « Dobré utra », ce qui est « bon matin » carrément, « Dobrý večer », quand c'est au soir, ou « Dobre noci, spokojne noci, c'est quand tu souhaites bonne nuit. Bah, là, voilà, ça, ce sont des choses pour après. Donc, d'accord. Privet, quand on se connaît d'accord. Bien comme ça, familier, здравствуйте, pour tout, quand tu arrives, tu vois la personne, tu la salues. Здравствуйте. D'accord, c'est la valeur sûre. Juste une autre petite question, est-ce que tu veux que j'apprenne, juste que c'est utile que j'apprenne les terminaisons du verbe rotette que tu m'avais, qu'on avait fait il y a une ou deux leçons? Ah, oui, donc là, tu veux dire le verbe vouloir ou aimer? Oui, les terminaisons. Bah, à vrai dire, ce n'est pas tellement les terminaisons, c'est carrément la conjugaison. Comme я хочу, ты хочешь, он хочет, я люблю, ты любишь, ce qu'on voit. D'accord, les terminaisons, ensemble. Donc il faut l'apprendre. Ok. Ah oui, mais bien sûr. J'entoure, c'est bon. Ouais. Donc là, c'est justement, il y a le duo et comme ça, tu fais avec le duo. Oui, ok. Alors. Donc c'est bon, j'ai posé mes questions, je te remercie. Ouais. Donc là, on va voir ça. Alors. Là déjà, hop. Voilà. Une petite révision et en même temps, quelque chose voilà, qu'on a vu, mais j'aimerais bien voilà, que ce soit bien acquis. Alors. Я говорю по-русски. Я говорю по-французски. Эрика, ты говоришь по-русски? Я говорит по-русски. Я говорю по-русски чуть-чуть. Хорошо. А, ты говоришь по-английски? Да. Я говорю. Tu peux regarder l'écran. Я говорю. Я говорю английский. Говорю. Я говорю английский. По-английски. По-английски. Я говорю по-английски. По-английски. Я говорю по-английски. А ты говоришь по-французски? Да, я говорю по-французски. Говорю. 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 Чего? Да. Да, я говорю. Чего? Да, я говорю по-французски.
po francuski. Ja govorю po francuski. Ok. Là, quelques petites révisions. Россия. Entre le neutre, le féminin, le masculin? Non, non, non. Là, ce qu'on a ici, donc là, c'est juste pour les pays, un petit peu les capitales et comment on parle dans ces pays. Ah, vite fait, une petite, un petit parcours. Là, regarde le petit tableau que tu as devant. Россия. En gros, Россия, il parle russe, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, okay. Россия, donc tu vois ici, pour t'aider, Россия, donc là, c'est le pays. Après, Россия. Là, j'ai laissé exprès vide. D'accord. Donc, Россия. Ты. Эрика, послушай, послушай. Россия, ici, c'est Москва. Москва. C'est ce que tu te rappelles, d'accord? Et juste, on va dire, по-русски. C'est tout по-русски. Simplement, voilà. По-русски. D'accord. Франция. Франция. Français. Paris. По-французски. По-французски. On va inventer un personnage. Par exemple, qui va partout dans les pays. Et on va, donc là, lui dire qu'il parle telle ou telle langue. Donc, Россия. Москва, Саша говорит по-русски. Франция, Париж, Саша говорит по-французски. Саша говорит по-французски. По-французски. Англия. Англия, Лондон. 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 Саша говорит по-английски. 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 Италия. Италия. Ром. Рим. 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 Саша говорит по-итальянски. По-итальянски. Отлично. Китай. Китай. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Ah, oui, la Chine. Heureusement qu'il y a la photo. Китай. Китай. Пекин. 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 Саша говорит по-китайски. Отлично. По-китайски. Молодец. По-китайски. Германия. Германия. Берлин. Саша говорит по-немецки. Немецки. Немецки. По-немецки. Немецки. Германия, Берлин. Саша говорит по-немецки. Хорошо. Япония. 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 Токио. Токио. Саша говорит по японски. Японский. Японский. Молодец. Япония, Токио. Саша говорит по-японски. Японский. Okay. Ouais. On va juste répéter vite fait comment on dit по-русски. Повтори, пожалуйста. Повтори. По-русски. Répète. По-русски. По-французски. Французски. По-французски. Французски. По-французски. По-английски. По-английски. По-итальянски. По-итальянски. По-китайски. По-китайски. По-немецки. По-немецки. По-японски. По-японски. И метно, Эрика, ты говоришь по-китайски? Ты по-китайски. Говоришь? Ты говоришь по-китайски? Нет. Я не говорю по-китайски. Я не говорю. You. Говорю. Я не говорю по-китайски. Я не говорю по-китайски. А ты говоришь по-французски? Я говорю по-французски. Ты говоришь по-немецки? Немецкий. Absolutely. По-немецки. Ты говоришь по-немецки? Нет, я не говорю по-немецки. Немецкий. Я не говорю по-немецки. Хорошо, молодец. Ты говоришь по-итальянски?
Chuchut, Non, chuchut. я не Чуть-чуть. говорю Нет. по-итальянски. Ты не говоришь по-итальянски. Итальянски. По не Хорошо. говоришь по-итальянски. Я не говорю по-итальянски. Я не говорю Я не говорю по-итальянски. по-итальянски. Ты не говоришь по-итальянски. Я не говорю по-итальянски. Я не говорю по-японски. Послушай меня. Я говорю по-русски, по-французски и по-английски. А ты? Я говорю по-французски и английски И по-английски. И Молодец. по-английски, и по-русски чуть-чуть. Хорошо, молодчина. Молодец. Так, là, ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a quelques lettres. Bon, là, je les ai appelées ma ligne. Il y a quelques problèmes des fois avec. On va juste faire un petit parcours ensemble. Là, si tu peux fermer les yeux. Ok. J'ai pas pris de bandeau. Non, mais c'est juste, voilà, tu les fermes et c'est tout, je te fais confiance. Mais si, j'étais ah, fermée, je sais que je l'ai triché. Ah là, mais là, ça c'est impeccable. Bon, mais c'est juste vite fait pour que tu écoutes. Voilà. Comme ça, je ne tricherai pas. Alors, là d'abord, je prononce, tu me dis juste ce que tu entends, la lettre CH. Ah, la lettre CH, la lettre CHI, la lettre TS. Ah, voilà. Oh, quelle horreur. Bon, d'accord. Non, mais donc là, c'est juste, voilà. Donc là, la lettre CHA, elle signifie le son CH. Donc, t'entends CH. Сейчас, maintenant, t'entends quoi? CH. J'entends CH, j'entends la lettre CH. Donc, CH. Et oui, après, j'entends pas CHI. CH. La petite différence, est-ce que... Bon, on va voir avec oui, les mots. Oui, j'entends la différence. C'est ah, CH mais un peu. Et CH. Voilà. CH. Et justement, CH, la différence entre CH, CH à l'écriture. Oui, c'est la petite virgule à la fin. Voilà. La petite queue à CH. Parfait. Alors, juste à lui. Chouba. Tu me dis le son que tu entends. CH ou CH. Chouba. Chouba, c'est le son CH. Châssis. C'est le son CH. Avec un I, c'est le son CH. Châssis. CH. Châssis. Ah non. Non, c'est le son CH alors. Chiotka. Ah non. Ça, c'est le son CHI. Oui. CH. Oui. Chance. Chance, c'est le son CH. Spinat. C'est le son CHI. T'entends CH, spinat. Non, non, j'entends CHI. Ah oui. Enfin, d'accord. J'accentue c'est... parce que... Voilà. Voilà, mais c'est justement, c'est à force de les entendre et justement, surtout, aller les voir que ça va venir. Mais justement, c'est une difficulté pour les étrangers, souvent, de les distinguer à lui. CHI. Ça, c'est le son CHI. Ouais. C'est le son CH. À vrai dire, c'est pas, il n'y a pas de voyelle, c'est CH. Je sais, mais voilà. À l'oral pour avec toi, surtout voilà, avec pour... la connexion Internet, ouais. J'accentue ah, oui, le... ah oui, pardon. Oui, c'est vrai que, voilà, j'accentue pour qu'on puisse vraiment ouais. se comprendre. Ouais, je pense qu'en live, on entend peut-être mieux qu'avec l'ordi. Alors, Roche. Roche. Ça, c'est le... J'entends chi. Молодец, отлично. Шок. Шок, c'est le son ch. Шашлык. Шашлык. C'est le son ch. Oui. Shit. Shit comme merde veut dire en anglais. Non. Shit, c'est un bouclier en fait. Mais c'est vrai que ils ont là, pensé ça, à tout. Les... Bah, voilà, ça sonne, oui, effectivement. Là, j'entends un peu plus shit. Oui, shit, oui. Alors, кошка. Кошка. Кошка le chat. Кошка. Ça, c'est le son ch, mais bon, ça, je le savais déjà. Oui. Щенок. Щенок, c'est le son chi. Oui. Masha. Masha, c'est le son ch, mais ça, je le savais déjà. Oui. Kasha. Kasha. Sacha.
Kasha. Tasha. C'est le son ch. Oui, c'est le principal. Shika. Shika. Shika, c'est le son chi. Parfait. Nash. Nash. Nash, c'est le son ch. Vache. Vache, c'est le son ch. Ouais. Молодец, отлично. Tu peux enlever le bandeau. Non, non, mais là, tu les distingues très bien. En plus qu'avec la connexion, ça peut poser problème. Alors là, tu ne vois pas grand-chose. Pardon. Écoute, mais là, on va juste les lire vite fait. Donc là, comme ça, tu vas les voir justement à la lecture. Et je t'ai mis exprès les petits les accents. Voilà, parce que toujours dans le dictionnaire, c'est pour toi quand tu veux apprendre un nouveau mot qu'on n'a pas vu, bah parce que là, tu avances toi aussi de ton côté, c'est que tu verras toujours l'accent. C'est que quand, avant de l'apprendre, fais attention quel accent c'est pour apprendre avec l'accent correct. D'accord? D'accord. Et là, on va se mettre d'accord parce que pendant nos cours, ce sera soit un petit bâton pour l'accent, pour t'aider. Soit la lettre, elle sera, tu vois, ici, je l'ai mis en gras. Je l'ai mis en gras. Je note juste ton conseil pour ne jamais le perdre de vue, toujours apprendre avec l'accent correct. Oui, parce que là, il faut dès le départ se baser sur le bon accent, bien évidemment, pour la prononciation. Et même vraiment avant d'apprendre, au lieu, tu vois, de commencer vraiment à travailler dessus, si tu as un doute pour la prononciation, il est mieux de vérifier que commencer d'apprendre quelque chose qui n'est pas correct. Parce que pour la prononciation, après, pour effacer de ta mémoire, c'est difficile. Vraiment tout de suite quelque chose de fiable. Si tu as vérifié, tu sais que c'est comme ça et tu apprends, tu commences à mémoriser. D'accord? Comme par exemple, vraiment enregistrer dans sa mémoire que Malaco, c'est un O qui se prononce A. Malaco. Oui, Malaco. Parce voilà. Que le O qui n'a pas d'accent, tu as bien raison, ça, on l'entend comme A. Malaco. D'accord. Par contre, le dernier, du fait que c'est O, l'accent sur O, on entend O. Malaco. C'est comme хорошо. Хорошо, ben oui. Хорошо. Пока. Tu vois, voilà, c'est les mêmes conditions. Tu as bien retenu. Parfait. Donc, là, une rapide lecture. Пожалуйста, прочитай. Шуба. Шуба. Шасси. Шпинат. Шпинат. Молодец. Шутка. Щетка. Щетка. J'avoue que le E avec tréma, vu qu'il est peu utilisé, j'ai du mal à vraiment l'enregistrer. Hein. Oui, mais là, c'est à force de lire et voir dans les mots, t'inquiète. Щетка. Chance. Chin. Chi. 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 Il n'y a pas de ch, c'est ch. Chi. Oui, oui, oui. Chi. Oui, t'as raison, il n'y a pas de ch. Poshka. Poshi. Poshi. Poshia. Poshia. Ro. Ro. Voilà, da, da. Je me concentre tellement sur le ch que je. Ah oui, c'est ça. Roshia. Roshia. Russia. Choc. 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 Chachl. Le smou. Non, c'est pas le mou, c'est chachl. avec le petit bâton. Ah oui, c'est le. Voilà. Chachlik. 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 Shit. Ah, ça, je m'en souviens. Ça veut dire déjà? Shit. Oui. Bouclier. Bouclier. Bon, ça va me servir à rien dans mon quotidien. Bon, je m'en souviens. Là, voilà, c'est vrai que c'est un vieux mot. Shit. Ok. Koshka. Koshka. Chinook. Chinook. Masha. Masha. Kasha. Shika. 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 Oui, tu allonges bien la lettre, j'ai l'impression. Shika. Non, c'est juste parce que voilà, on peut chanter la voyelle. Ça aide même. Même pour toi, tu vois, voilà. Surtout celle qui est accentuée. Shika. Mm-hmm. Nash. Non, c'est juste toi. Ouais. Nash. Nash. Vache. Молодец. Отлично. Отлично. Encore deux lettres, c'est G. Je pense que là, tu as rencontré aussi cette difficulté. Elle est très courante, cette difficulté. C'est...
Des fois, on les confond g, tch, je veux dire, à l'écriture, Ah bon? visuellement. Bon, mais c'est juste, voilà, J'avoue que. tester. Bah, tu fais une Non, exception. Non, mais j'avoue que c'est j'aurais parce plutôt que. tendance à confondre le tche avec le ou. Ah oui, d'accord. Puisque ce Oui. sont deux Y. Oui. Donc il y a un Y rond et un C'est Y ça. pointu. Oui, tu as raison. Ça aussi, mais c'est ça, parce que ou, c'est quand même la voyelle tch. C'est une consonne, mais c'est que là, il faut tout ça. Visuellement, tu as raison, on peut les confondre également. Mais à l'écriture, pardon, et à la lecture, le g, tch, il pose des D'accord. fois des problèmes. Ok, ben Mais on y écoute, va. impeccable, c'est juste la petite lecture, Ok, on y va. rafraîchissement. Alors, Guy, tiens, tiens. Le truc, c'est que je ne sais jamais Pardon. si c'est et ou si c'est yé. Parce qu'il y a des fois où c'est et des fois où c'est yé. Oui, ça c'est tchir. Tiens. Tiens. Gora. Ah Tchoum. mince. Excuse-moi. Non, non, mais c'est parce que c'est mon accent qui est parti. Je suis désolée. Non, mais là, Ah, mais l'accent c'est est assez. ici. Bah oui, c'est Gara. Gara. Gara, Ok. Gara, il s'est Gara. déplacé. Gara. Gara. Tu vois, pour Tchoum. t'aider, Erika, pour t'aider, des fois on peut chanter un petit peu, tu vois, pour l'accentuer. Gara. Gara. Oui, parce Ok, que on tu vois, accentue vraiment. voilà, c'est pour ça que c'est au début juste, pour que tu vois, tu saches que c'est là, ici, que l'accent tombe. Gara. Gara. D'accord. Gara. Tchoum. Tchas. Et après, hop, c'est un G. Donc c'est Gore. Gore, gore, Gore. отлично, Gore. молодец. Alors, et après, on a notre, ici, Si je peux juste me permettre de noter ce oui, que tu as dit. De alors, chanter l'accent, bien accentuer la partie pour pouvoir et là, enregistrer. je peux te dire que là, quand tu le prononces, mais pas trop trop long en chantant, ça fait vraiment impeccable. Et je peux te dire que ça fait pas drôle du tout parce que tu le chantes vraiment un tout petit peu, pas trop long. Mais si tu le chantes légèrement, ça donne vraiment la bonne prononciation à lui, D'accord. comme ça, à ton interlocuteur. Donc voilà, n'aie pas peur, mais ça aide au début à chanter un petit peu la voyelle de l'accent, de la syllabe accentuée. Donc là, c'est juste un conseil. Voilà. D'accord, Voilà. merci. Hop, c'est noté. Voilà. Je note tout au fur et à mesure, Ah non, comme mais ça. t'as bien raison. Bonne élève, ouais, écoute, je suis contente. Alors, là, c'est notre lettre. Donc là, on a vu G. Et comme on disait, des fois, voilà, c'est à l'écriture et à la lecture, c'est le tch, voilà, qui est des fois confondu. Alors, on va voir juste les mots. Прочитай, пожалуйста. Прочитай. Tiem Guinon. Guillon. Ah, c'est un i, c'est pas un n. Tiem Tu vois le gué? Guillon. Attention, посмотри, regarde, посмотри. Après M. Tiempi. Voilà. Ah! Non, Oh là là! Champignon. il n'y a pas de. Voilà, c'était. Pardon. Non, regarde attentivement avant. J'aimerais bien que tu regardes avant et tu lis après. Parce que là, c'est un mot assez long. Chem. Chem Pi. pi on Oui, champion, tout simplement. champion. Ah, Champion. comme Yari Gagarine, champion. Champion, bah, champion, c'est un champion, champion. D'accord. Champion des Champion. Jeux Olympiques. Champion olympique. D'accord. Champion. Champion. Oh là là. Che. Chei. Chey, maladie. Chei. Gol. Go. Gazo. Gazol. Gazon. 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 Le gazon. Oui, gazon. D'accord. Gazon. Gazon. Yas.
Basmati. Non, non, non. Ce n'est pas un Y. Chasse. Chasse. Et un Y, c'est où, de toute façon. Oui, mais de toute façon, voilà. Je mélange tout. Oh, mais alors, et que sois indulgente avec toi quand même. Bon. Chasse. 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 Vecher. Vecher. Une petite chanson de Vecher. Tu vois, il y a l'accent ici. Ça t'aidera. Vecher. Voilà. Et, ça, sonne, et ça, ça sonne déjà mieux parce que tu l'as un petit peu chanté. Vecher. Vecher. Oui, pour vraiment accentuer, tu vois. Vecher. Vecher. Garnison. 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 Géroï. Ah, ton accent, il est entre les deux. Ah non, 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 c'est il est au-dessus de O. D'accord. Alors. Géroï. Géroï. Герой. Герой. Отлично. Герой. Хорошо, герой. Дочь. 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 Гимн. Attends, comment est-ce que tu veux que je prononce un M et un N? Oh, mais tu viens de le faire parfaitement, gimn. Ah oui, tu le prononces. Mais c'est horrible, les consonnes. Quand tu te concentres comme ça, ça tout de suite, mais naturellement, quand tu vois, ça passe tout de suite. Sans gimn, t'as bien fait, hein? Oui, mais bon, j'ai l'impression que ça me coupe dans mon truc, là. Gimn. Ah, ouais. Donc, gimn. Une accentuation sur un N. Guenille. Ah non, non, c'est sur la voyelle, bien sûr, l'accent que sur la voyelle, c'est impossible, sur la consonne. D'accord, il a peut-être un petit peu bougé. D'accord, d'accord. Guenille. Donc, ça fait Guenille. Guenille. Gien. Gien. Si tu chantes un petit peu la voyelle accentuée du fait que c'est yé, ça te donne Gien. Voilà, gieni. Gieni. Voilà, tu vois, c'est que légèrement et ça fait parfait, gieni. Gieni. Отлично. Général. Général. Ah oui, en plus, tu prononces avec l'emphase générale. Bah oui, ça, c'est général. 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 Bon, отлично. Молодец, Эрика. Et là, pardon. Alors, juste là, ici, je ne vais pas t'embêter avec la lecture parce que là, je trouve que tu te débrouilles pas mal. Ce que je te demanderais... послушай меня и скажи по-французски, хорошо? Traduire. Правильно, да. D'accord. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, c'est le bonjour. C'est le bonjour passe-partout. Ouais. Кто это? Кто это? C'est ben, comment tu vas? Кто это? Non. Это? Кто? Кто это? Ah, это non, мой non, папа. Je mélange. On va effacer le tableau, ouais, d'accord? Kto eta, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est pour les objets inanimés? Kto eta, eta moi papa. Yeah, je t'ai donné un petit truc pour te corriger. Kto eta, eta moi papa. Ben oui. Kto eta. Il faut que je me souvienne de mon ami Macha qui faisait chto. Chto. Donc, sto, elle ne faisait pas pour les personnes. Donc, il faut que je me souvienne de ça. Kto, personne, sto, inanimé. Allez. Kto eta. Kto eta, qu'est-ce que c'est pour... Enfin, qui c'est? Qui c'est? C'est mieux. Qui est-ce? Qui? C'est qui, justement, pour les personnes? Ou pour les animaux, pour tout ce qui est animé. C'est ça? Oui, première raison. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Donc, ça, c'est comment est-ce que tu vas? Как тебя зовут? C'est pas как дела, как тебя зовут. Меня зовут. Bah oui, comment est-ce que tu vas? Меня зовут Лена. Тебя зовут Эрика. Je confonds toutes les phrases. Oh, écoute. Ah, je confonds
tout, j'ai trop parti mon cerveau. Bah écoute, au fur et à mesure. Mais comment est-ce que tu t'appelles? Voilà, как тебя зовут? Отлично. 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 J'aurais du mal. Отлично. Ça, c'est quand on félicite quelqu'un ou quand on dit que c'est parfait. Отлично. Je te dis assez souvent. Отлично. C'était dans le dialogue, mais c'est une révision. Donc là, tu notes comme ça, tu reviens dessus. C'est mieux. Alors, je vais essayer de répéter souvent. Хорошо, отлично, молодец, браво. Comme ça, tu les retiens. Alors, молодец. Et молодец, ça veut dire quoi? Молодец. Il y a en bas, ça, tu vois, si tu regardes en bas, ça va peut-être te rappeler quelque chose. Bravo, хорошо, молодец. Quand je te félicite. Молодец, super aussi. Ouais, super, c'est pour te dire que bah, t'es bien, t'as bien fait, молодец. C'est une sorte de félicitation. D'accord. Молодец. Ok. Parce que tu y arrives bien, que tu as réussi quelque chose. Молодец. D'accord. Annie любит basketball. J'aime le basketball. Annie, non, Annie, il aime le basketball. Моя мама не любит ходить в магазин. Ma mère n'aime pas ходить в магазин. Oui, elle n'aime pas les magazines tout court. Non, les magasins. Elle n'aime pas les magasins. Elle n'aime pas aller au magasin. Aller au magasin. Ma maman не любит ходить в магазин. Я люблю петь. Que je vérifie si tu as bien regardé la leçon avec Ya Loublou, Ya Hachou. Oui, oui, j'aime. Ça te dit quelque chose? Ya Loublou, Pete. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec les voyelles. Ya Loublou, Pete. Chanter. Ya Loublou, Pete. Chanter. Очень приятно. Очень приятно. Ça, j'avoue que j'aurais plus de mal. Ouais, ça, c'est quand on se voit, souvent on dit ah, là, on a fait connaissance. Здравствуйте, меня зовут Лена, а вас? Меня зовут Роман. Очень приятно. Очень приятно. Enchanté. Отлично. D'accord. Ouais, tu as deviné. Как поживаете? Как поживаете? Как поживаете? Поживаете. Quand on se voit, les personnes, quand elles parlent. C'était dans le dialogue aussi. Voilà, tu vois, Oui, c'est une autre manière de demander comment est-ce que ça va. Oui, c'est justement la manière quand on se vous voit. Как дела? Avec la personne que tu connais très bien, как поживаете? Mais à vrai dire, si tu ne connais pas la personne, en plus que tu es quelqu'un qui commence juste à parler, si tu... demande ça à une personne comme ça que tu connais à peine, как дела, ça va pas du tout être drôle, mais normalement on dit как поживаете, как дела. Toi tu m'avais enseigné как вас зовут. Как вас зовут, c'est comment vous appelez-vous. Oui, t'as raison. Mais où est-ce que j'ai péché ce truc? C'est pour ça que tu vois, c'est juste important, mais tu vas aller réviser les dialogues. Tu les lis et tu les écoutes. Donc là, c'est pour ça que c'était fait, parce qu'il y a plein d'expressions dedans. Mais à force, on va les revoir dans les leçons. Forcément, tu vas les retenir et tu travailles aussi dessus toi-même. Mais là, il faut absolument que tu puisses travailler. Je sais que tu les as mis un tout petit peu de côté, ce gros dialogue-là. Donc bon, mais tu reviens dessus, t'inquiète pas. Ouais, en tout cas, je le note pour ne pas l'oublier. Voilà. Ah, voilà. Donc là, c'est tu te remets justement à écouter encore ce dialogue de la leçon 5, tout simplement. Annie любит петь. Alors, Annie, c'est il aime chanter. Добрый день. Добрый день, c'est le bonjour. Voyons voir. Ça, dans les documentaires de Français qui vont en Russie. Ouais. Tu sais, du genre, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça, ces machins-là. Avec des animateurs lourds. T'entends ça souvent? Dobry din. Voilà, ils disent dobry din. Oui, dobry din, c'est bonjour, mais c'est quand tu es dans la journée, ouais, tu salues les gens. Dobry din de la journée. Oui. Dobry din de la journée. Parce que okay. Dobry vecher, par exemple, on va l'apprendre, c'est au soir. Mais c'est l'équivalent de zdravstvuyte. Dans la journée, tu salues. Dobry din, zdravstvuyte. Ты хочешь кофе? Tu veux un café?
Отлично, молодец. Я не хочу есть, спасибо. Я не хочу есть, спасибо. Je ne veux pas manger, merci. Je n'ai pas faim, je ne veux pas manger. Mm. Правильно, хорошо. Саша хочет спать. Sacha voudrait spat. Spat. C'était aussi dans le dialogue, mais forcément, ce n'est pas tout de suite qu'on le retient. Sacha хочет спать. Spat, dormir. Mm. Ça, c'est un mot qu'il faut retenir. Есть, спать, пить. Mais ben, il faut retenir les choses bonnes. Oui. Marina не хочет банан. Marina не хочет банан. Marina ne veut pas de banane. Оля не любит теннис. Оля. C'est un prénom. Оля ou Ольга. D'accord. Оля. Ça, c'est le diminutif pour Olga. Olia, il lui dit. Olia n'aime pas tennis. Tennis, le tennis. Oui. Olia n'aime pas le tennis. Что это? Donc, что это, c'est pour les objets. Qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est? Отлично. Эйка, молодец. Так. Alors, une petite chose que je pense que t'as bien retenue. Oups. Voilà, je saute un petit peu de slide parce que c'était trop tôt. C'est juste pour te demander si tu peux me dire un petit peu sur les genres des mots que tu as retenus, féminin, masculin, neutre. Voilà, pour comment tu les identifies, au moins la règle générale qui passe partout. Comment tu les D'accord. reconnais? La règle générale, en fait, c'est que le masculin, ça se termine par une consonne. Il n'y a rien, ça coupe. Voilà, c'est voilà. Zéro terminaison, si on peut dire. Voilà, voilà zéro terminaison. Le féminin, le féminin, c'est du A ou c'est du ya. Et le neutre, c'est du E ou c'est du O. C'est du O ou yé. Ou le E, le yé. Yé, en prononciation, c'est yé. Отлично. Молодец. Il y a bien sûr les exceptions, sauf que il faut tout simplement retenir au fur et à mesure. Là, franchement, il n'y a pas de vraiment d'autres solutions, parce que comme on a en anglais, par exemple, il y en a plein d'exceptions aussi. Bah, en russe, il y en a. Mais la règle générale, ça permet quand même de reconnaître le genre. Alors, tac, молодец. Là-dessus, c'est bon. Bon, là, c'est juste pour pour te remontrer. Donc là, on a воля, курица, кора, змея, равнина, зима. Donc là, on voit bien а ou я. Donc, on est devant... Du féminin. Féminin. Donc, pour te dire, je ne sais pas si t'as déjà, tu t'es déjà aperçu quand tu regardais les dictionnaires. Le je, r, tu vois le je point, r, point, ici, en blanc. Donc là, c'est pour c'est une petite abréviation pour qu'on met dans les dictionnaires pour le féminin justement. Ça te avec l'accent plus on montre ça, mais habituellement donc les pardon. Voilà, tu verras ça dans le dictionnaire. Après, on passe à voilà, j'ai mis comme ça la terminaison zéro, si on peut dire. Voilà. Ou des fois c'est y, mais malheureusement il y a pas mal de mots féminins qui se terminent par y. Mais là ça c'est comme je t'ai dit, c'est des exceptions. À force d'enrichir ton vocabulaire, tu vas le savoir. Mais la règle générale c'est zéro terminaison, pas de voyelle pour masculin. Tors, город, музей, зов, багаж, экран, сон. Свет, рай, заказ. Tu te rappelles, on a parlé aussi d'une chose que tu t'es bien aperçue à la fin. Qu'est-ce qui se passe avec le mot bagage? Ah, le jeu qui devient ch. Voilà, ça s'assourdit, oui. Zakas, le dernier mot ici, zakas. Oui. Donc, ça devient un peu plus dur aussi, ça devient voilà, S. Oui, c'est ça. Mais tu vois, c'est pour l'orthographe.
Là, c'est aussi une chose qui est une particularité en russe, mais il y a des consonnes comme on appelle paires pour qu'on puisse se rappeler de ça et savoir que ça s'assourdit et ça correspond à telle ou telle consonne. Mais voilà, au fur et à mesure, tu verras ça, mais tu le sais déjà donc d'avance. C'est pas mal. Alors, donc, notre, c'est le s. Bon, un petit peu, c'est cette abréviation qu'il y a au cas où pour indiquer que c'est le genre neutre dans le dictionnaire. Mori, mori, ozira. Tu vois, on s'est mis d'accord que c'est soit un petit bâton pour nous, pour nos cours, soit je mets en gras la syllabe accentuée. Comme ça, tu chantes un tout petit peu la voyelle. Mori, ozira, kino, zariva. Зарево. Отлично. Теперь ты. Теперь ты. Ah, Прочитай, l'exercice. пожалуйста. Pardon. Прочитай, пожалуйста. On ana olo en u. C'est quoi ça? C'est Il. quoi c'est? Ah oui, mais c'est parce que c'est un cursif, forcément. Ça, si je te le mets comme ça, tu vas En tout de plus, suite. si tu mélanges les cursives et les capitales, ça va pas aller. Ah non, c'est pas le mélange des capitales et des cursives, c'est parce que j'ai mis ça tu vois, ici, en italique. Et forcément, ça change un petit peu la lettre. C'est pas bon pour le début. Je t'ai mis un piège. Voilà, c'est pas gentil de ma part. J'ai corrigé. Voilà, ça va aller mieux. On, Anna. Oui. Il y en a. Ouais, il y a un nom. Ah non. On, Anna, il y a un nom. Donc là, c'est voilà, pour deviner justement le genre et tout simplement t'entraîner à la lecture encore un petit peu. Vous allez finir par avoir ma peau parce que entre maintenant l'italique, ici dans ces trucs où il y a des pattes partout, donc il y a certaines lettres qui sont vraiment différentes. Oh là là là. Et encore, je ne me Oh. suis pas encore lancée en récursive. Non mais ça va, on n'est Ouais. pas en chinois. S'il vous plaît, Bah essayez écoute, d'être un bah peu oui, mais plus. justement, mais là, écoute, et on n'est pas aussi en lettres arabes, je peux te dire que voilà, j'ai juste par curiosité commencé un petit peu, j'ai su faire tout, mais là, écoute, ça va encore hein, avec cyrillique et O. Mais bon. Allez, petit taille, пожалуйста. Allez. Yaloka. Yaloko. La Yablo. deuxième. Yablak. Ah oui, c'est Отлично. Yablaka, c'est la Яблоко. pomme. La pomme. Молодец. Молодец. Et Яблоко. ça, c'est un O, donc c'est Ano. Ano Yablaka. Bon, Yablako. neutre. Oui. Ah non. Яблоко. Yablak. Яблоко. Вот оно. Chieka. Chika. 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 Oui. Chika, Chika. c'est un A, donc c'est Anna. Anna Chika. Anna. Chika. Tu vois, c'est l'accent Chika. sur la dernière. Donc, Chika. Chika. C'est Tiel. Donc ça, c'est la lettre molle. Donc, dans Mais les exceptions que j'ai vues ah. là-dedans, ils ont dit que la plupart du temps, quand ça se termine par la lettre molle, c'est masculin. T'as raison, sauf qu'ici c'est l'exception. Non, c'est juste un tout petit piège pour rigoler. Mais t'es parfaite, Erika, maladiet, atlich, parce que tu as bien retenu, mais effectivement, mais tu as bien raison, tu as bien lu, tu as retenu, mais il y a des exceptions, mais on ne peut rien y faire. Mais Alors, tu m'as mis je suis l'exception, méchante, forcément. je suis méchante avec toi. Bon, Tu me mets celle. l'exception, tu me mets des exceptions partout le jour où on filme, tu vois. Non, mais celle, c'est but. Bah, j'ai mis exprès voilà, cible, celle, c'est le but, c'est notre celle. D'accord. Я говорю по-русски очень хорошо. Твоя цель. Говорить по-русски хорошо. Бон, allez, Allez. цель Анна. C'est juste une exception. D'accord. Celle. Donc ça, c'est Anna, puisque c'est l'exception qui fait le féminin. Ok. But, Alors, celle. Choror. Choror. Chor, c'est juste l'accent sur le Choror. O. Voilà. Choror. Chante un petit peu, c'est vraiment pas gênant parce que à lui, je peux te dire, ça fait pas drôle du tout, mais ça t'aiderait. Chor. Pardon. Pardon.
Шорор. Et ça, c'est on. On шорор. Отлично, молодец. Да, шорор. Après, mm-hmm. зал. Зал, c'est on. Зал. Да, да, правильно. Кража. Кража, c'est féminin, c'est Anna. 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 Non, non, tu m'as mis l'accentuation sur le premier. Ah oui, oui, non, non, mais c'est parce que c'est le pronom Anna que tu n'as pas bien prononcé, je te corrige. Ah. Anna. Anna, excuse-moi. Voilà. Anna Kraja. Tak, хорошо. Anna Kraja. Ok. Kham. Kham, c'est du masculin, c'est on. Отлично, sauf que tu n'aimes pas trop cette lettre-là. La pauvre petite, deuxième. Oui, c'est... Ben oui, c'est un re suivi d'un R. Comment tu veux que je prononce ça? Ah, bah, ah non, non, mais c'est parce que tu l'as oublié. Tu as dit kham, mais t'as oublié r. Kham. Comment tu veux que je fasse ça? C'est pas possible. Si, r. Kham. 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 Non, non, mais tu ne te concentres pas trop sur le kh parce que tu le prononces, tu sais où ça forme. Donc lui, il est juste effleuré. Oui, kham. Il est juste effleuré, il s'appuie sur le verbe, donc kham. Oui, bah, très bien, hein, kham. D'accord. Mais c'est comme donc, si tu ronfles. Ça va passer, ouais, kham. Bah, imagine que tu ronfles. Kham. Bon. Non, ça passe pas. Non, ça passe pas. Non, mais écoute, j'ai essayé de détendre. Alors... J'ai essayé de détendre et me dire que le r, il est tout petit et qu'il s'appuie sur le R. Kham. D'accord, mais tu vois, c'est chacun un petit peu ses repères kram. Aussi, c'est que c'est pas kram. Kram. Le son, il passe juste là, et après, le rr, avec le bout de la langue, tu passes au rr. Kram. Kram. Mais quand tu ne penses pas trop, ça allait, si, ça allait tout à l'heure, c'est parce que quand tu ne penses pas trop à ça, ça oui. Stresse moins. Kram, kram. Allez, kiki les petits oiseaux. Wow, au fur et à mesure, mais écoute, là, ce n'est pas tout tout de suite quand même. Kram. 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 Ah ben oui, c'est plus R qui compte ici. Kram, voilà. Kram. Kram. Alors, kram. C'est pas mieux. Kram. Ah bah t'as vu. Bah voilà, молодец. Mais tout ça pour dire que c'était masculin. Donc c'est on. Правильно. Хорошо. Kram. Ok, là on est à crash, crach. Ah oui. Молодец. Donc ça aussi du masculin, c'est on. Отлично. Alors ça c'est le son yo et ça c'est k. Ça se fait pliotka. Pliotka. Молодец. Pliotka, c'est féminin. Donc, c'est Anna. Anna. Tu vois? Anna. Anna. Tu as oublié que c'est sur le A. Voilà. Tu vois, l'accent. Oui, Anna. Anna. Oui, Anna. 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 Donc, plus là, c'est Anna. Tcha. C'est tcha-chia. 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 On chante légèrement tcha-chia, tu vois, pour t'aider. Tcha-chia. C'est tcha-chia. 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 Tchachia. Tchachia. Ok. Oh, yes. Et bon, ça, c'est du féminin, c'est Anna. Voilà, Anna. Tchas. Tchas. Et... Bon, c'est la lettre molle, partons du principe que c'est masculin. Eh bien, c'est une exception. Tu le fais exprès. J'étais sûre que tu le fais exprès. Non, c'est pour attirer ton attention que, voilà, il y a quand même des choses, mais ça te fait quand même bien que tu retiens. Que c'est quand même souvent le masculin, mais il y en a beaucoup au féminin aussi. Mais tu vois, tu vas retenir les deux, mais c'est tu les apprends au fur et à mesure. Mais voilà, ça attire l'attention vers la règle, quoi. Mais bon. Bon, on continue. Chest, Anna. Anna. Parti. Et là, c'est Kucha. 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 Ah. Tu lis très bien. Et là, tu chantes un petit peu coach. 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 Bon, ça, c'est du féminin, on en est sûr. Donc, c'est Anna. Et ça, c'est Borsch. 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 Bon, oui. Ça, c'est du masculin. An. On. Отлично. On. Smena. Smena. Ça, c'est du féminin. C'est Anna. Хорошо. Курок. Курок. Внимание. Вот. Отлично. Курок. Mm-hmm. Tu vois, tu m'as écouté pour chanter un petit peu et la prononciation, elle est parfaite. Курок.
Si. Urok. Et bon, ça c'est du masculin, c'est on. Tak, хорошо. Maslow. Maslow. Maslow comme le gars de la pyramide? La pyramide de Maslow? Нет. Нет. Масло, beurre, c'est le beurre. Donc c'est un A. Masla. Masla. Tu vois, il est accentué parce que je l'ai mis en gras, mais c'est masla. On le chante légèrement. Masla. Masla. Beurre. C'est le beurre. Masla. Donc bon, ça c'est un O qui se prononce A. Donc c'est encore un piège, mais c'est un neutre. Donc c'est A, ouais. Non. Mais là, si tu connais cette façon de faire, c'est impeccable, effectivement. Oui, mais à l'oral, je serais incapable de faire la différence. T'inquiète, ça, c'est au fur et à mesure, mais tu as déjà de bons repères que, voilà, à la fin, sans accent O, il a tendance de se prononcer comme A. Et tu vois, ça va t'aider. Bah, t'inquiète, tu verras. Mais là, franchement, leçon numéro 7, là, tu veux déjà peut-être lire Tolstoï, traduire. Là, non, mais bon, écoute. Tout, papa, Erika. Alors, masla, хорошо. Alors, j'ai la. Comment est-ce que ça se prononce, un I, un E? Gélanillé. Отлично. Sauf l'accent. Прочитай. Желание. Хорошо. Желание. Желание. Donc, отлично. Comme à la fin, c'est un Е, c'est un E, c'est A. Ah non, mais la lecture, la prononciation, parfaite. Parce que tu m'as mis les accentuations. Ah oui, mais bon, au début, on est obligé. Et même pour apprendre les mots, je te dis, quand tu vas consulter dans le dictionnaire, voilà, tu verras ce petit accent pour que tu saches comment accentuer, pour le retenir, pour mémoriser. Ça, c'est... voilà, il y a les accents en russe. Quel tu veux. Желание. Хорошо. Желание. Et ça, c'est правда. Отлично. Эрика, молодец. Правда. Et ça, c'est она. Правильно, да. Et pour les pays et quelques villes, voilà, pour deviner aussi le genre. Bon, il y a aussi des exceptions dans les villes et les pays? Non. Bon, ok. Ça va? América. América. Zdorov. América. América. América, bon, ça c'est Anna. 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 Ah, tu vois, t'as retenu Anna. Corrige-toi tout de suite comme ça pour ne pas... Anna. Anna. Golandia. Qu'est-ce que c'est que ce pays-là? Golandia. Golandia. Bah, ça, c'est Pays-Bas, en fait. Ah bon? Bah, d'accord. Oui. Golandia. Golandia. Donc, bon, ça, c'est Ya. Donc, c'est du féminin. Donc, c'est Anna. Отлично. J'ai un mal fou à mettre la prononciation sur la fin. C'est mon côté latin, ça. Oui, bien sûr. Mais là, tout sur la dernière syllabe en français, c'est normal qu'au début, tu vas le faire. Mais il faut faire attention en russe. C'est tout simplement ça. Golandia. Bon. Oslo. Oslo. Osla. 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 Bon, c'est un O quand même. Et donc, c'est un neutre. Donc, c'est Anno. 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 Ah, là aussi. Anna. Anna. Anno. Voilà. Ok. C'est parce que c'est sur la dernière syllabe. Anna. Anno. Osla. Okay. Anno. Bon, après, c'est Rim. Je fais que balayer. Ouais. Rim. Et le pays, justement. Tout à l'heure, on a eu un petit souci. Ничего страшного. Рим. Италия. Отлично. Италия. Рим, Италия. Donc, Рим, bon, c'est du masculin, c'est on. Так. Бельгия. 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 Молодец. Бельгия. Бельгия. Ok. Бельгия. Ah, oui, d'accord, Бельгия. Oui. À cause du son mou. On prononce pas trop, on prononce pas trop le L, quoi. Voilà, c'est ça, Belgia. T'as bien fait. Belgia. Belgia. Donc, bon, ça, c'est Anna. Moskva. Moskva, c'est Anna. Moskva. 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 Bah oui, je pense à vouloir accentuer le début. Moskva. Ouais. Lille. Ah oui, d'accord. Lille. Voilà, Lille, ça, c'est... ici c'est sympa avec la moelle à la fin, donc ça va. C'est la règle. Lille, donc bon. C'est masculin ça? Tu m'as dit qu'il n'y a pas d'exception.
Ah si, ça c'est cette fois c'est voilà, c'est du masculin, Cette fois-ci, voilà. L'île. c'est honnête. L'île c'est Narbona. 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 Donc ça, c'est Anna. Féminin. Rossia. Rossi. Racine. Rossia. Racine, t'as raison, parce qu'il n'y a pas d'accent, on a tendance à prononcer A. Молодец, хорошо. Racine. Rossia. Donc ça, c'est du ya. Donc c'est féminin. C'est Anna. 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 Отлично, правильно. C'est vachi. Alors, attends. Parce que là, je comprends pas ces lettres-là. Vachi. C'est quoi ce truc-là? J'ai l'impression qu'il y a des lettres qui sont collées. C'est gue et te. Da. Ah oui, d'accord, elles sont un peu trop collées. Donc, ça fait un drôle de truc. Ok, ça fait vachin gdon. Oui, non, mais là, c'est vrai que, voilà, ça, c'est forcément, tu vas prononcer, accentuer comme ça chaque consonne, mais au début, pourquoi pas, Washington. Mais là, il est assorti, ce Ok, son Washington. 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 Bon, ça c'est on, c'est du masculin. Et Хорошо. Yalta. Yalta. Yalta, pourquoi est-ce que j'ai entendu ça plusieurs fois? Parce que c'est une ville Yalta. au bord de la mer Noire, en Crimée, je pense que c'est pour ça, peut-être. Parce que c'est un point stratégique. Voilà, donc Voilà. là, t'écoutes. Ah oui, Voilà mais pourquoi je ça, l'ai entendu souvent. ah, mais ça prouve que t'écoutes. Ah non, c'est mon père qui est fan d'histoire et de guerre de partout. Ah, mais d'accord, et donc là, du coup, il. Ouais, Yalta. Voilà, donc ça. Atlitna. Ah, Ok. mais Erika. Хорошо, très Yalta. bien. Yalta, donc ça c'est un A et ça c'est Anna. Anna, молодец, очень хорошо, молодец. Là, alors, donc là, on a fait. Voilà, je veux juste te proposer tout un petit truc pour, voilà, pour te reposer. Mais là, je voulais tester ça si vraiment on peut l'utiliser parce que je suis pas certaine que tu vois bien si je te montre des choses comme ça à l'écran. Et tu me diras si ça peut aller par la suite ou pas parce que je voulais l'utiliser de temps en temps. Alors, là, si je fais Peut-être ça, tu vois faudra-t-il que quelque chose? tu... Moi, Tu je veux vois bien quelque m'éviter. chose? Il faudra peut-être que tu arrêtes ton partage d'écran Oui. pour me montrer, voilà, pour qu'on revienne face à face. Là, ce sera plus facile. Ah oui, d'accord. OK. Bon, là, écoute, on va essayer. Ça, c'est une bonne idée. Alors, je reviens vite fait. Hop. Ah, vite fait, c'est plus vite dit que fait. Alors. Voilà, j'arrête de partager. Voilà, je pense que c'est ça. Great. Bon. Parfait. Non, Alors. pas great. Tu dois pas dire great. Comment? Otlitska. Otlitska. Atlitchna. Atlitchna. Atlitna. Atlitchna. Atlitna. Молодец. Tu peux me dire молодец parce que j'ai bien fait. Молодец. Молодец. Atlitchna. Alors. Allez. Donc là, je ne sais pas, tu vois, c'est pour vraiment tester parce qu'effectivement, avec. Bon. On dirait des crevettes. Ah, mais voilà. Отлично. Креветки. Это Oui, mais bon, креветки. Kriviet. Donc, это креветки. Это креветки. Eta Kriviet. Это сосиски. Oh. On dirait un crocodile fossilisé. Ah, oups. Bah, tu vois, c'est ça. C'est que, ouais, je pense que c'est pas une bonne C'est à idée. cause de la lumière qui. Ouais, Ah, je pense. Это Eta машина. Machina. Это машина. Молодец. Это машина. Отлично. Это... Что это? Это стул. Это стул. Что это? Oh, une bouilloire! Comment est-ce qu'on dit ça? Это чайник. Чайник. Это Чайник. чайник. Это чайник. Это Чай, чайник. c'est le thé en russe. Чай. И Чай. чайник. Чайник. Ça, c'est... Donc, La bouilloire, machine à faire c'est en le russe. thé. Bah, c'est ouais, censé, tu vois, parce que du fait que c'est lié avec le thé, si on Oui. met en russe, tchaïnik, était tchaïnik. Eta Même si tu tchaïnik. peux l'utiliser l'eau pour le café, bah, en russe, était Oui. tchaïnik. Tu vois, tchaï, Tchaïnik. Eta tchaïnik, tchaïnik. était tchaïnik. Это фотоаппарат. Eta fota bar fota Аппарат. apparat. Eta Это fota фотоаппарат. apparat. Это фотоаппарат.
Eta, kto eta? C'est sûr qu'on en croise beaucoup chez moi. Eta girafska? Eta girafe. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de mots, heureusement, quand même, qui se ressemblent en français et en russe. C'est pour ça que je te dis pour le vocabulaire, c'est pour justement avoir quelques mots qui sont plus faciles à retenir. Eta girafe? Eta girafe. Kto eta? Ah, eta zèbre? Eta zèbre. Ouais, ça, en russe, c'est au féminin. Eta zèbre. Eta zèbre. Eta kangourou. Eta kangourou. Kangourou. Eta kangourou. Eta kangourou. Que des animaux locaux, quoi. c'est ça. Eta eta. Ah, ça, je l'avais vu quelque part. Oui, la bicyclette, je l'avais vu quelque part. Eta vélocipède. Vélocipède, oui, je l'avais vu sur Duolingo. Eta vélocipède. Eta vélocipède. Vélocipède. Eta crabe. Eta crabe. Eta crabe. Eta crabe. Eta crabe. Eta, что это? Автобус. Это автобус. Я подукасы в автобус. Автобус. Oui. Это автобус. Это автобус. Отлично. Так, что это? Ah, c'est pas sympa, ça. Это пистолет. Это пистолет. Это пистолет. Отлично. А что это? Это банан. Банан, и au pluriel бананы. Это бананы. Bon, on n'a pas encore fait, mais c'est, voilà, banane, bananes. Это бананы. Banane. Так, oups, voilà, j'essaie de... Ah non, ah, il est trop petit. C'est de la bière, c'est pas du vin. Eta, bière. Ah, piva, piva. Piva. Ah, comme en croate, pivo, piva, piva. Ok, piva. Eta piva. Piva, piva. Так, кто? Oui, oui. Alors, oups, кто это? C'est vrai que je joue avec la lumière. Это tigre. Это tigre. Это tigre. Так, что это? Alors, tu veux que je te dise quoi? Sapin ou arbre de Noël? Это ёлка. Ёлка. Это ёлка. 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 Et dernier. Et ta téléphone. Non, non, tu vois, je pense que c'est pas, c'est, elle est pas. Clé USB. Voilà. Flèche-ca. 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 Le son F, pardon, flèche-ca. Flèche. Oui. Flèche-ca. Flèche-ca. Et comme si on est, voilà, on peut peut-être associer ça avec, ça flash, bon, ça flash rien, mais je veux dire flèche-ca, peut-être pour un petit peu la mémorisation. Flèche-ca. 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 Alors, et là, la dernière petite chose, c'est ça pour, voilà, tu peux peut-être ne pas mémoriser tout de suite, mais on va essayer ça. У меня есть пиво. Пиво. Devine. Je veux. Ah bon, boire et manger, ça se dit de la même façon? Non, 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 justement, c'est parce que, tu vois, tu me disais une fois que tu vois souvent dans les livres le mot « есть ». Tu te rappelles, tu me disais ça? « Есть ». Que tu voyais souvent « есть » quand tu lisais des petits livres. Oui. Mais c'est parce que « есть », c'est le verbe « manger », effectivement. Sauf que pour dire que j'ai quelque chose, je possède quelque chose, en russe, on dit « у меня есть ». C'est pour ça que tu vois souvent. Et donc là, je vais t'écrire ça pour dans ton devoir. Tu vas voir, mais c'est juste la première approche. У меня есть пиво. У меня есть пиво. J'ai une bière. Non, j'ai une bière. У меня есть бананы. У меня есть бананы. Бананы. У меня есть бананы. У меня есть дом. У меня есть дом. Ça, tu peux me dire ce que c'est. У меня есть дом. Ça, j'ai une maison. Oui, j'ai une maison. У меня есть дом. У меня есть собака. Ça, c'est juste un petit test. У меня есть собака. Есть собака. У меня... J'ai une... Собака, c'est un chien.
Un chien. Ça, c'est vrai, sabaka. У меня есть собака. Okay. У меня, у тебя есть собака? Не. Я у меня, не. У меня, меня нет. Нет. У меня нет собака. Собаки. 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 У меня собаки. Нет собаки. У тебя есть кошка? Moi, non. Mes parents, oui. У меня нет кошки. У меня нет кошки. У тебя есть дом? У тебя есть дом? Tu parles de avoir ou posséder? Non, mais c'est... Bah, у тебя есть дом, mais c'est que voilà, t'as, toi, t'as une... Ouais, c'est que t'as une maison. У тебя есть дом? Я меня дом. У меня есть дом. У меня есть дом. У меня есть дом. У тебя есть тигр? Non. У меня нет тигра. Тигра. У меня нет тигра. Тигра. У тебя есть дочь? Дочка. Non, là, c'est juste pour un petit test. On n'a pas encore appris, on n'a pas vu ce mot. Дочка. Et après, les trucs de la fin, je n'ai pas compris. У меня нет кошки. Я не люблю кошек. Ok, tu n'as pas de chat, tu n'aimes pas les chats. Oh, c'est trop triste. Bah, écoute, j'aime bien les petits chatons et tout, mais les chats, c'est spécial. Bon, enfin bref, je pense un truc, c'est juste pour une petite présentation comme ça. Écoute, ce que je te demanderai, Erika, comme devoir, je vais t'envoyer le podcast, tu sais, avec ce qu'on a vu, juste pour que tu puisses te repérer et reprononcer les expressions, tu vois, qu'on a vues. Mm-hmm. Bah, on va de toute façon s'entraîner pour, les retravailler, bien évidemment. Donc là, je te demande de faire ça. Ah, s'il te plaît, donc là, les apprendre justement ce qu'il y a comme mot là-dedans, un peu que vocabulaire. Et la deuxième chose, je ne sais pas, c'est en fonction du temps, mais je pense que c'est réalisable parce que tu as ce livre-là, tu vois. Mm-hmm. Et je trouve que si tu fais un petit parcours de 6 fiches, si on mm-hmm. se met d'accord, ce n'est pas beaucoup parce que je pense que tu es déjà bien avancé, que tu puisses le faire. Jusqu'à la fiche 6 y compris, parce que ça va te permettre un petit peu réviser déjà les expressions, tu vois, que des fois que ça cloche un petit peu les styles «добрый день», «здравствуйте», juste tu vas rafraîchir, et aussi un petit peu les genres, et il y a des petits exos sur les genres des mots, là je trouve que c'est vraiment pas mal, et je pense que c'est réalisable, en tout cas, voilà, si ça coince, tu me dis, mais je trouve que tu es bien... capable pour faire ça pour la semaine prochaine, ça c'est il y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, et donc c'est que l'audio je t'envoie comme je fais, tu vois, avec le fichier par la suite. D'accord. Et donc du coup on fait ça et on revient voilà la comme d'hab la semaine prochaine vendredi, comme tu m'as dit. Je vais te torturer, mais c'est pas une torture quand même. Bon, écoute, voilà, hop.